la République, il y a Fatih Béton, intouchable, Azali Soussouté. Alors, vous la République, na Congo, elle est loyo. Il y a Fatih Béton, il y a peuple d'abord, intouchable, Azali Soussouté. Même si on a dit qu'il ne faut pas, on a tamboulé. On a dit qu'il faut pas. On a dit qu'il faut pas. Ok, war ka benza wo ya libela ok. Bato union soyo ba batongi na ba site non édificant, c'est-à-dire ba site oyo ba ko ko tongaté. Hein? Ba yé ba ke tukubuka. Tukubuka yango. Asi za ba emprise ya l'état. Mama mutuna malam. Ya liboso pona ibisa yo. Comité oyo to benga ke comité ngobila. O comité o gouverneur a nommé. Tout d'abord, maman Basali, na Moussala, a sali à 45 jours. Et puis, Azalaki, na période ya COVID. Bon, il y a un peu de temps, il y a un peu de COVID. A sali, Moussala, même pas 45 jours. Bah, moi, mon, ya, moi, ben, en, alors, Ezaline, clic, il y a bateau. Moussala, il y a un hôpital, wana. Des années, bango balinga kaka kaka bloka kaka hôpital kolia kambo hôpital bango moko. Bakolinga te ke moto oyo akoya kosa mosala malamu na hôpital asala. Na kopesa lokola ndakisa moko. Depuis docteur Modi ayaki na likanisa ko bongisa hôpital. Tango ayé po abongisa hôpital. Ba moni ke oyo ayé po bloqué biso to kwanolia balingi ba intérêt personnel. Intérêt égoïste na bango wana, alors va faire par ba qui mis tata wana, l'état aya ko appuyer bango ba longo tata wana, les louyo oyo ayé docteur Kolé ayé na groupe na ye po asala ayé tout d'abord na dikanisa malamu mama koyo atango ayé asala état de lieu hôpital oyo ki sango na koyo tangela yo quelque part na commune na ya Kimantek accouchement normal et comme à 10 000 francs congolais. Mais qui n'est pas l'habitude de ma mère, 250 000 francs, 300 000 francs. Et puis césarienne, c'est dans les 1 million. Pour que la césarienne est là, na maman, il faut que je me 1 million. Parce que aujourd'hui, je suis dans le département, je suis Réa, je suis Gineco, je suis comme Ibélé. Mais tu ne peux pas tenir. Mais mon total, il a dit non. Tu fais un sika, mon total, pour que tu quittes ça, et ça, hôpital provincial, général de référence, à caractère social. Tout ça, la porte qui ça. Bamoni yango mabe aye ko kanisa likanisa mususu alobi le quoi d'hôpital les aïne wana eza départementalisé bambongo okomona ndenge ezali wana yo zali chef na département songolo oza na mbongo ebele oyo asalaka na département mususu kuna aza na mbongo muke alobi boyete to sangisa je suis à financer za lana pour comme guichet unique pour moto yo so futa makandenge moko bamoni mabe. Donc, ce qui est basé pour les gens, pour aller dans les canisses, pour les hôpitaux, dans l'État, ce qui est lié à ce que l'hôpital est un cas, dans le combo, dans le professeur général de référence de Kinshasa, plus à l'hôpital à caractère social, va soutenir l'équipe Oyo. Et ça, la mosala na yango. Ce qui est basé pour les gens, c'est que les gens qui ont cliqué, ils ont cliqué, ils ont bon, on n'a pas l'équipe. Mais ceux qui balayent à solo, batika équipe. Mais on ne connaît pas tout le monde sur le lobby. Pour Nanini, ils ont critiqué que Azui, Moto Yalibanda, Acheye. N'a évité ceux qui binopent, Bapandi Samoboedi. Mobeko Nini et Lobake, pas au coma l'élo, médecin direct dans l'hôpital, il faut aller dans l'hôpital. Pour la ministre de l'agriculture, il faut aller dans l'agronome, dans la carte d'agriculture. Et ça là. Non! Cela veut dire, ce qui a pour qui motowana, ayebi caractère à motowana, ayebi misale la motowana, nde aye passa la mosala à bongis hôpital. Et l'eau qu'ils allaient kaka yango wan. Alors, ce qui otali wana sikoy, depuis hôpital les arcs national, na ebite ce qui basiba tonga ta toilette à toilette pas mal hôpital. Au bout de bango, depuis l'hôpital de la nationale, parce que tu as dit 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 que tu as réadaptation pour les handicapés physiques. Et tout le monde a mis la compte.
y a province. Bon, nation, nation, on a posé la biso, nini. Ah, papa, Toboy, il y a un cas pour la Kamacha Salome, Toboy, Toboy, il y a un Batika et comité, ou et ça la nan. Batika et ça la. Mon tassé 45 jours pour juger la nini. À moi, to sengi na son excellence, monsieur le gouverneur, a sécurisé patrimoine à l'état ou et pèse à ma boko na yé. Y a mon tassé pour la yamoua. Merci. Est-ce que c'est obligatoire, Balinga? Bon, moi, c'est ce qui Balinga. Et maman. Je suis allé à la fin de la journée. Bon, ça, c'est bon. Kabila était à Kingakat, mais les gens défilaient, mais c'est plus au pouvoir. Si tu peux respecter l'autorité morale, si tu peux respecter l'autorité morale, envoyez, j'attends ça. Ok, merci beaucoup pour la compréhension. Il y a plus de monde. Kabila était à Kingakat, déjà défilé. Il va être petit papier. Caché. Tout le monde a dit ça. Donc, on a le temps de venir voir. Au moins, tu es. En tout cas, nous avons nous, collectif des infirmiers de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa. Action. Nous, collectif des syndicats des infirmiers, nous citons ICICO, UNIF et SYNAPSE, réunis en ce lieu, en assemblée extraordinaire. Nous commençons par remercier tout d'abord le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme selon le cœur des travailleurs. Et par ricochet, nous remercions aussi son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de province de Kinshasa, Monsieur Gentili Ngobila Baka. Étant donné que nous sommes dans un état de droit, et il est respectueux de l'état de droit et des textes légaux, nous le remercions parce qu'il a procédé à la réhabilitation du comité de gestion de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, il y a peu. Nous voulons rappeler à l'opinion ceci. La loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 relatif aux principes fondamentaux de la libre administration des provinces. En son article 28 alinéa 4 stipule que tout ce qu'il y a comme service public de l'État, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national, résulte de l'autorité du gouverneur. Nous mettons l'accent sur cela parce qu'il y a eu un problème qui s'est passé par le passé, c'était lié à l'appartenance de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa. Jusqu'à ce jour, le décret présidentiel numéro 075/2002 du 27 janvier 2002 portant dissolution d'un établissement dénommé Hôpital Mamayemo et édicte que
Le patrimoine et le personnel du dit établissement sont affectés au ministère de la Santé publique pour les services publics dénommés Hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa. Et il se dégage à la lecture des termes de l'article 1er de cet arrêté que l'Hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa, en sigle HPGRK, est un établissement public à caractère social relevant de la tutelle du ministère ayant la santé dans ses attributions. Et par ailleurs, il ressort de la substance, jusqu'à ce jour, le décret présidentiel numéro 075/2002 du 27 janvier 2002 portant dissolution d'un établissement public dénommé Hôpital Mama Yemo. Hôpital Mama Yemo pour les services publics dénommés Hôpital Provincial Général de Référence pour la ville province de Kinshasa n'a jamais été abrogé. En date du 8 octobre 2020, M. le gouverneur de la ville province de Kinshasa avait procédé à la nomination du comité de gestion de l'Hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa. Curieusement, le 4 décembre 2020, Son Excellence Monsieur le ministre de la Santé Eteni, ministre sortant, a aussi procédé à la nomination d'un autre comité de gestion de l'Hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa. En date du 15 décembre 2020, Excellence, Monsieur le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, sortant, avait demandé à ce que le ministre Eteni puisse sursoir ou bien reporter son arrêté, chose qu'il n'a jamais faite jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi, au niveau de l'hôpital, il y a ce bicéphalisme-là. Mais dans tout état de cause, la raison revient au gouverneur de la ville-province de Kinshasa parce que il a suivi la procédure légale jusqu'à nommer le comité de l'hôpital provincial général de France et jusqu'à même à le réhabiliter tout récemment. Il s'est fait que hier, il y a eu, sois calme, maman. En date du 17 février 2021, lorsque le directeur de cabinet, le ministre provincial de la Santé a procédé à la réinstallation du comité de gestion de l'hôpital provincial général de France de Kinshasa, la cérémonie s'est déroulée normalement, mais arrivé à la fin, il y a eu un groupe manipulé par le comité divin en place, nommé par Eteni et Son Excellence Eteni, qui ont commencé à casser les vitres, à jeter des seaux d'eau, donc des lave-mains. Bref, ils ont semé un trouble. Ils ont troublé l'ordre public. Et tout cela a été commandité par le comité d'Ivengi qui monnaie. Parce que tous les badauds là, tout autour de l'hôpital, ainsi qu'un groupe bien important de techniciens d'assainissement, on leur remet l'argent, y compris même les policiers qui sont aussi inféodés. Donc, même go, tous sont dans le même sac et ils veulent semer toujours la terreur et les désordres au niveau de l'hôpital. Chose que nous décrions et puis nous dénonçons ça parce que tout cela, on met sur le dos du gouverneur. Or, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, en tout cas, il est légaliste, il a suivi la procédure normale. Mais ils font tout pour troubler l'ordre public. Voilà. De ce fait, après, nous avons même des images. Les images en appui sont là, on peut vous les balancer. Vous verrez que ce que nous disons est vrai. Et vous verrez même dans ces images-là, vous ne verrez aucun membre du comité de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur Gentil Ngobeni. Il n'existe pas.
Et ils sont même là, ils sont allés plus loin pour faire de cela un problème maintenant qui devient privé, la chasse à l'homme. Si on regarde quelqu'un qui n'est pas de leur obédience, il est poursuivi, il est menacé, il est molesté. Hein, il y a même un cas d'une consœur, elle est d'ailleurs enceinte. Hier, elle a été molestée par le groupe de gens d'assainissement. On l'a même conduit, il est sorti par la petite porte de la morgue de l'hôpital général. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas tolérer dans un état de droit déjà établi. Concernant le mot d'ordre qu'ils ont lancé hier, disant qu'ils vont cesser de travailler jusqu'à ce que le chef de l'État puisse s'impliquer dans cette histoire, c'est faux, archi faux, parce que ce mouvement-là, les infirmiers par exemple, nous avons dit que nous sommes un collectif de syndicats des infirmiers. Nous avons à peu près 4 syndicats des infirmiers à l'hôpital provincial général de France de Kinshasa. Il y a un seul syndicat là, dont les quelques membres qui sont là-bas, qui sont minoritaires, ce n'est pas pour rien qu'ils ont recruté tous ces agents d'assainissement là et les chéguer. Pourquoi? C'est pour gonfler les effectifs, afin de semer les désordres. Donc, les autres syndicats des infirmiers, notamment d'ICICO, Unique, PISNAPS, ne sont pas concernés par ce mouvement-là, soi-disant, d'arrêt de travail. Nous sommes là, nous avons prêté serment pour servir les malades et l'accompagner dans ses souffrances, jusque même s'il faut l'accompagner dans les derniers jours de sa vie, nous sommes prêts à le faire et nous le ferons. Parce que nous avons déjà prêté serment pour cela. Donc, tous ces désordres-là, c'est sur le dos du comité Yveng. Ça n'a rien à voir avec le comité le comité de son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur. Et même les personnes-là, sur les images, si vous voyez les images, les vidéos, sont bien identifiées. On sait que tel, c'est tel, tel, il assume telle fonction. C'est connu. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut cacher là-dedans. Alors, nous avons aussi remarqué qu'il y a quelques semaines, depuis le mois de décembre, lorsque son Excellence, Monsieur le ministre Etienne, avait nommé son comité sortant d'ailleurs, nous avons constaté que c'est un comité plein vraiment de bavures. Sur le plan même administratif, il y a trop d'erreurs, trop de fautes. Il a sanctionné plus d'une dizaine des travailleurs et surtout ceux qui ne sont pas de leur obédience. C'est ça, on ne peut pas comprendre comment on peut accepter d'assumer de telles fonctions et alors qu'on veut régler des comptes avec les gens. Alors, tout cela c'est toujours condamnable. Et ce même comité, dans un temps record, il a recruté, je reviens toujours sur les agences d'assainissement, ainsi que les bateaux là qui menaient leur vie tout bonnement tout autour de l'hôpital, qui fabriquaient parfois les gerbes de fleurs pour le cas de décès autres, mais tout ce monde-là est récupéré par ce comité pour semer la terreur au niveau de l'hôpital. Voilà, sous prétexte que c'est le gouverneur, son comité qui est à la page. Ce matin, nous venons de l'apprendre, au niveau de la morgue de l'hôpital provincial général de référence, ils ont créé encore un incident. Ils ont demandé à ce qu'on ne puisse même pas sortir les corps des malades. Les familles qui viennent pour récupérer les corps de leurs malades, ils les ont empêchés en disant que voilà, c'est le gouverneur qui a donné le mot pour dire qu'il n'y a pas un seul corps qui va sortir aujourd'hui, alors que c'est faux et archi faux. Le gouverneur n'est ni de loin ni de près dans ces manigances-là. Ce sont eux qui font tout cela pour salir l'image du gouverneur. Alors nous ne pouvons pas accepter que cela puisse se passer ainsi. Parce que le syndicaliste n'a pas seulement pour rôle de revendiquer les intérêts de ses travailleurs ou quoi, mais il a aussi pour rôle de protéger aussi l'employeur. Parce que sans l'employeur, il n'y a pas de syndicat. Sans syndicat, il n'y a pas aussi l'employeur, vice-versa. Mais le syndicat a aussi le rôle de protéger l'employeur. Voilà. Je pense que... Bon. En conclusion, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila, de pouvoir sécuriser le patrimoine de l'État qui est sous son autorité. Je vous remercie.
Bon, biso awande lisanga ya ba syndicat ya ba loufelemé ya hôpital provincial général de France de Kinshasa. Tozali wana bisiko ezali représenté na ngai, unique ezali représenté na ndeko mwasi, synapse na ndeko mobali azali na boko na ngai mobali. Soki toye lelo pona kosala déclaration oyo. Ya liboso toye ko pesa toye ko tonda mokonzi ya mboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na état de droit ya zonkisi na mboka oyo pe pona hôpital provincial général de référence matondo mingi na gouverneur de la ville province de Kinshasa son excellence Jean-Tini Ngobilambaka po aye vraiment kosala mosala na ninge tindami lokola aye kozongisa comité oyo ye atiaka bongo ndeko ministre eteni ayaki koluka kotia nyamu nyamu kotia ba oyo basenge kozala na musala te atie bango nde yango sikoyo biso tomonaki na makambo nyonso ezali koleka tokoke kofanda nye te komite wana baye koya bayeki na musala bayene mpona koboma mboka bazali wana mpona koya kosala chasse à l'homme do moto oyo soki yo ozalaka ndeko moninga moyebani na komite ya kala oya o gouverneur nomaki okomi monguna na bango okosala mosala te bakobengana yo bakobundisa yo donc okimia ezali te bongo tobenga biso mosala na biso tobengamaki mpona koya kobunda na kati te toyini mpona kosalisa bakono bongo lelo oyo ekomi ya chasse à l'homme bakomi ndenge tozali wana soki omeki kobima na kati na hôpital bakobundisa yo eloko eza malamu te eloko tosengi sikoyo ezali boye lokola son excellence monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobia alandi mikanda nyonso ndenge ezali mpo ete baoyo bazali wana bazali kaka na arrêté ya ministre esili mais babosani hôpital wana ezali provincial na décret loi oyo mokonzi ya mboka asinyaka batani na kati ndeko oyo alobaki lifrancais awa auti kotangela bino banimero ya balwa nyonso wana eloko tozali kosenga na sikoyo na son excellence monsieur le gouverneur kaka asécurise hôpital mpo ndenge ezali wana ezala bo bazali wana mobulu bazali kosala wana na miso ya leta oyo ezali kobatela yango estce yango leta eza na mboka oyo te eloko tozali kosenga naye kake asécurise patrimoine ya monene hôpital wana mpo tokosala makambo wana te oyo etali makambo ya nayoki mbela basengi ya kosala grève arrêt de service mais tozali oki tozali service syndicat minei mais moko nde alobi atelemi na ye mpo alobi asala makambo wana so okei na hôpital sikoyo kokuta bato bazali kosala mosala donc mosala ezali ekosalema ndenge ezali donc biso tokoyoka mouvement wana te biso totikali tozokosala mosala mosala ezali kosalema bazali kosalisa babeli bakono bazali kozwa batraitement nango ndenge ezali alors tosengi na son excellence le monsieur le gouverneur kake asécurise patrimoine ya leta tala bolokwa babuki bakasi yango wana estce yo omoni moto mwasi oyo okeeokei kobala okende kozokisa ye non parce que komite oyo bazali reinstalle bango bakendeki mpo bakende kosala mosala na esika wana bo babebisi yango ezali komite ya divingi oyo bazalaki nome na ministre eteni oyo bazali nazoa kofanda te bango nde basali mosala wana kobuka hôpital ya leta na miso ya la polise na bango oyo bango ebatelaka bango Afrika cool, et abena cool, Afrika cool, et abena cool, le quoi cool ma topi, cool. La chaîne Nabiso Afrika cool. En tout cas, esa chaîne ya bien, et puis vous êtes très rapide, esa très rapide, esa chaîne moko, bako sa abino confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balo bakake buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele 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 boko zala desute. Afrika cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo ya na bino mama. Merci beaucoup. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zalamoana, massivement. Africa cool.